Dernièrement, l'hôpital La Paix, c'est presque le seul plus grand hôpital de l'État qui a pour recevoir malades dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Après plusieurs, l'hôpital général a fermé à cause du périmètre l'hôpital général là, qui est même occupé par bandits Axamio qui n'a Boukate Kourdzam avec la police nationale d'Haïti. Est sorti 29 février pour arriver 9 avril. L'hôpital La Paix déjà recevoir 194 monde qui blessés dans seul l'hôpital. Ça, côté situation presque dépassée, responsable. Oui, nous allons parler avec principal responsable l'hôpital Sylla. On a parlé des docteurs Paul Junior Fontilus Nabdi, bonjour et bienvenue sur Caraïbes. Bonjour Gavien, bonjour M. Ferdinand, bonjour Mme Saint-Fleur, c'est un plaisir pour nous participer avec nous matin dans le journal. Alors, nous sommes essayés de faire résumer à là, donc il y a plusieurs hôpitaux publics dans la capitale qui ont même obligé de fermer à cause de situation de violence qui gagnait dans plusieurs zones et l'hôpital La Paix. Lui-même, il a toujours été à fonctionner dans la zone Delma 33. Dis-nous, comment la situation est, comment on fait pour nous gérer quand c'était malade, quand c'était blessé, quand arrivé jeune nous chaque jour. Mon cher guerrier, permettez-moi de commencer par remercier ensemble personnel l'hôpital là, qui fait un seul pour essayer de faire face à la situation, parce que je prends conscience que l'hôpital là, pendant un moment, c'est une entité. Et qui a fonctionné dans, qui pour bail soin dans la capitale là, et que malgré au même tout, il a subi pression conjoncture là, il a fait un seul avec l'équipe direction pour répondre à l'appel. Il a parlé de personnel de l'hôpital là, très souvent, il y a tendance à être docteur infirmier seulement, mais c'est toute qualité personnelle, sorti depuis le monde qui n'a pas rien, arrivé juste au staff administratif là, m'a dit un grand merci, un grand chapeau. Et m'a profité pour me remercier ensemble d'institutions étatiques, tout même qui a subi pression, mais qui peut être collé ensemble à l'hôpital là. Et je voulais parler de Mairie Delma, qui campait avec l'hôpital La Paix, qui m'a donc grand support, parce que si on pas là, il y a quelques aspects en fonctionnement que nous pas capable jusque là. Nous avons la police nationale tout à travers le commissariat Delma 33, malgré l'activité, malgré toute pression que a suivi. Parfois, il y a des situations que nous avons gérées dans l'hôpital, nous faisons l'appel à eux. Et ils ont toujours répondu présent pour aider nous. Et nous remercions ensemble partenaires, ensemble de tout le monde qui aide l'hôpital là, Kembe, depuis pratiquement le 29 février, côté que nous avons bas pression. Parce que toujours se dit dans la taloua avec malheureusement l'hôpital général qui n'est pas en mesure de fonctionner parce que l'hôpital La Paix avec l'hôpital général, c'est une deux structures publiques niveau tertiaire qui gagne dans la région métropolitaine pour desservir la population. Donc, je se dit dans la là, l'hôpital La Paix a géré la situation de façon très difficile parce que la pression a vraiment augmenté. On va comprendre que malgré la situation de sécurité, il y a besoin de soins toujours là. Population toujours malade, monde toujours pas couché, monde toujours malade, toujours gagné accident cap fait, à côté de bien entendu et climat de violence qui fait que nous recevons une quantité vraiment importante de plaies par balle et près de 194 blessés du 29 février à date. Oui, donc il y a l'impression que nous vraiment commencer à dépasser à cause de quantité maladie, mais qui ça défie pour le moment? Mon cher, nous avons trois grands points essentiellement qui sont censés représenter des défis pour nous actuellement. Et la première chose, bien entendu, c'est le dossier de l'oxygène. Et nous connaissons que c'est un denrée qui est vraiment rare actuellement et sur le marché. Et nous-mêmes, par rapport à l'influence que nous avons, nous venons très grand consommateur d'oxygène. Heureusement pour l'hôpital La Paix, tant bien que mal, nous conseillons de partenaires avec le ministère a gagné qui viennent à la rescousse nous, qui a fait nous joindre tant bien que mal, il y a une quantité minime d'oxygène, malheureusement, il n'y a pas assez. Et nous avons l'autre partenaire, tout, et par exemple l'hôpital Saint-Damien, qui a des unités de production d'oxygène qui aident nous quand même pour nous surpasser, pour nous passer le moment difficile ça.
Et quoi que nous-mêmes, dans l'hôpital La Paix, nous sommes supposés très bientôt une propre unité de production d'oxygène, nous, à travers programme USAID avec le ministère là pour mettre une unité de production d'oxygène. Et l'autre gros défi nous gagnons, c'est l'approvisionnement en carburant. Parce qu'on connaît que nous fonctionnons 24 heures sur 24, 7 sur 7. Et nous avons des véhicules pour faciliter le service et aux machines dans l'hôpital là, qui utilisent le carburant. Donc, alimentation en carburant sont l'autre problème majeur que nous avons. Et bien entendu, et les produits sanguins. Et si on peut recevoir des victimes de violence, on peut recevoir un paquet de 37. Nous connaissons que spécialité qui occupe de 37 et besoin sans pile parce que son pathologie qui très souvent, alors c'est un censeur de spécialité qui est très consommé et sans. Donc, ça sont l'autre défi nous gagnons qui était vraiment qui critique dans le commencement de crise là, mais depuis une semaine et demie, il y a deux semaines, une légère amélioration dans la disponibilité de produits sanguins. Mais ce n'est pas encore ça, parce qu'il y a un manque criant de donneurs, des volontaires qui supposaient porter ça, d'un côté qui l'a pour préparer, qui gère le dossier produits sanguins pour tout le monde qui est dans le domaine de la besoin. Pendant qu'on parlait de questions sans, nous connaissons les difficultés que tu as déjà gagnées. Et dans le moment, le pays a été plus ou moins fonctionné pour te joindre sans. Donc, je dis là, c'est plus compliqué. Et si on regarde les chiffres qu'on partage avec nous sur la quantité de blessés qui gagnent, je me dis comment on fait pour gérer cette situation ça. Et avec, par exemple, 194 blessés. Donc, les gens sont blessés, ils ont besoin de sang pour remplacer la quantité de sang la perdu. Comment nous faire? Mon cher, c'est ce qui rend la situation vraiment critique parce que j'en suis dit là, on qui prend balle et l'abseigneur. Alors, ce n'est pas tout cas, on qui prend balle qui a besoin de sang, mais là, en pile là, de quoi besoin de sang. Et là, même on son médecin ou là pour bailler soin ou qu'on malade devant, qu'abseigneur, son cap et bras croisé ou à plein de sang, la mourir quand même. Et sous dit, on a bonne chance, on a essayé de rentrer dans la salle d'opération avec pour balle la vie, au moins le bon chance pour le sauver. Nous, très souvent, nous arrivons dans des situations côté que c'est l'attitude ça que nous sommes obligés de prendre, c'est-à-dire, dans une situation normale, nous ne pas entrer en malade, qu'on s'en pas gagner sans backup. Et malheureusement, si nous capitons ça, or, et principale entité qui reste, alors pas principale, la seule entité qui est responsable pour baisser ça dans le pays, non, au début de la crise, vraiment, de gagner les mains et les piliers, pas qu'à répondre du tout à demande. Et je me suis tout à l'heure, depuis quelques jours, on est amélioration. Et la disponibilité pour du sanguin. Donc, pour répondre au petit directement, mais de là, nous obligés d'entrer à la maladie. Et Dieu merci, nous arrivons à limiter les dégâts et par rapport à la disponibilité pour du sanguin. Quoique, comme dit, ça peut déplorer la perte de vie de certaines personnes à cause de non-disponibilité de sang dans la période critique sanitaire. Parce que, j'aime ce que dit là, dans le temps normal, Mounio, pas vraiment déplacé pour pouvoir bailler sans, malgré sensibilisation qui fait autour de ça, pour encourager mon noir bailler sans, puisque on pas qu'attendre, c'est leur proche ou bien leur ou même. Alors, on dit leur besoin sans, c'est pas au cas de bailler sans. Donc, il faut jouer sans disponible. OK? Pendant que mon toujours négligé aspect ça, à savoir pour pouvoir aller bailler sans, et quand même, arriver pour. Traitement fait et mettez ça disponible pour des gens qui ont besoin, qui ont nécessité. Et par exemple, vous sautez dans le début là et féliciter, remercier le personnel médical de l'hôpital là, qui eux-mêmes fait en sorte que vous êtes disponible pour capable aider les gens qui viennent prendre soin. Yo. Mais par rapport à la quantité de gens qui arrivent à joindre dans l'hôpital La Paix, est-ce que non pas nécessité plus personnel de santé. M'envie dit, est-ce que nous pas qu'à faire appel à médecins, l'autre personnel qui n'a de l'hôpital public, par exemple, qui est fermé, pour que vous arriviez, joindre nous dans l'hôpital La Paix, pour permettre que nous gagnions assez personnel, assez ressources pour aider les malades. Mon cher, ma petite précision, et très souvent, nous avons dit tout à l'heure, là, nous avons tendance à surtout capitaliser sur le personnel médical pour le fonctionnement d'un hôpital. Et je me dis, non, là, le fonctionnement de l'hôpital, son équipe, son chaîne, il y a différents types de personnel qui ont intervenu
et dans prestation de soins, qui n'est pas forcément un docteur ou infirmière, mais par exemple, si je suis personnel de soutien, je suis un centre de staff technique, sur l'hôpital qui a fonctionné 24 heures sur 24, 7 sur 7, si je suis un staff solide avec moi, même si je suis tout docteur PA avec moi, je ne vais pas avancer. Et pour répondre directement à ma question, là, effectivement, quelle que soit la catégorie de personnel, là, j'ai pu préciser là, et particulièrement la docteur infirmière, oui, c'est vrai, nous très souvent obligés de faire appel, nous obligés de contacter Hirachino, qui est directeur général du ministère de la Santé publique, pour nous voir qui passons à mobiliser un petit peu plus de personnel pour nous, faire face à la demande. Là. Mais j'aime ça tout à l'heure, la conjoncture que nous vivons là, c'est un challenge parce que. Et même le monde, ça va se mobiliser. Tout le monde, ça va connaître des pressions familiales. La Kali qui dit pas sorti, parfois, même lui-même, parfois, il a une bonne volonté pour venir. Et puis, situation de blocage dans ce dernier, il pas qu'à déplacer. Donc, c'est ensemble de défis que nous avons rencontrés chaque jour. Mais il faut me dire ça que, et là, nous avons des situations particulières. Pas oublier que l'hôpital général, le conseil de spécialité que nous-mêmes, nous pas gagné dans l'hôpital La Paix, mais conjoncture a compte fait que nous obligés de recevoir et nous pas qu'avoir aller, donc nous obligés pour dire qu'il y a des soins. Donc on fait appel à la responsable de l'hôpital général qui peut mettre ensemble avec nous pour nous faire face à un série de cas. Par exemple, nous avons une spécialité que nous pas gagné dans l'hôpital La Paix qui c'est ORL. Lorsque nous avons des cas compliqués de ORL, nous les offrons nous. Dans l'hôpital général qui vient, qui prête mes fautes à l'hôpital La Paix. Et même récemment, nous avons une jeune fille de 15 ans qui était en balle dans la tête. Donc, c'est un ensemble de médecins de la place qui est venu pour te, un petit peu et supporter La Paix, pour te répondre à une série de cas. Mais la situation était liée à là, mais la majorité personnelle qui était dans l'environnement l'hôpital La Paix, ils ont collé les épaules ensemble avec les responsables. Et jusqu'à présent, ma Pékinbe, et j'aimerais me dire, ma Pékinbe jusqu'à quand, Bakari. On faut retourner sur les statistiques. Sorti 29 février pour arriver 9 avril. Qui ça chiffre? Tu dis quoi? On faut retourner sur les statistiques. Sorti 29 février pour arriver journée jeudi. Qui chiffre nous gagnons sur la quantité de monde qui est blessé? Nous recevoir. Mon cher, les statistiques que vous avez sorti de 29 jusqu'à 9 avril, je ne peux pas faire mise à jour là avant que je n'ai pas mis pour moi. Et vous pouvez comprendre ça, nous sommes tellement bousculés et des activités à longueur de journée, même au cours des soirées. Donc, pour les deux derniers jours, je beaucoup gagné, mais il faut me dire ça, c'est surtout en début de semaine que nous avons une recrudescence. C'est vraiment important de plein pas balio, surtout avec l'activité que tu as dans le Carrefour Aéroport et aussi au niveau du champ de masse. Après ça, nous recevons cas accident, femmes enceintes, etc. Comme je l'ai dit, l'hôpital, les autres services de l'hôpital n'ont jamais cessé de fonctionner. Nous recevons femmes enceintes à Gogo, par exemple, et nous avons une moyenne de 100 césariennes par mois. Et seulement en deux jours, là, nous presque dépassé 15 césariennes. Et seulement deux jours, c'est pour te dire que, et ceci, ce sont des cas qui ne sont pas aussi simples que d'habitude, ce sont des cas parfois qui sont compliqués, soit des mots qui peuvent être déplacés pour venir nous recevoir aide, et dans l'hôpital organisé, soit c'est des mots qui étaient déjà dans ce qui est hospitalier, qui a dépassé, ils ont référé vers l'hôpital La Paix, et j'aime tape tout à l'heure là, normalement, moi, c'est deux cas, c'est l'hôpital général qui qu'on recevoir, ils ont tout venu vers nous-mêmes, donc l'hôpital a continué à marcher, c'est-à-dire que les pédiatres nous remplis. Service de médecine interne, nous gérons ces deux cas chroniques toujours saturés par rapport à monde qui fait stroke, monde qui font ces deux maladies diabète qui viennent décompenser, ainsi de suite, et on sait de complications qui viennent rendre une situation un petit peu difficile dans la prise en charge de l'hôpital La Paix. Et surtout, parfois, ça convient créer une frustration quand les gens qui ont sollicité l'hôpital là. Par exemple, il y a un monde qui vient avec une pathologie qui n'a pas demandé en grande urgence, parfois on ne peut pas laisser attendre pour y arriver sous lui. Il veut que pour le paraître, pour y être disponible pour lui, ou encore il y a un monde qui peut venir nous stabiliser, nous qui n'ont pas qu'à qu'un d'elle. Il ne peut pas les déplacer tandis que la PC gérer le maximum que ressources que nous gagnons, soit en termes de place, soit en termes de train, pour nous desservir les cas les plus urgents, les cas les plus nécessaires.
Et heureusement pour nous, nous avons une autre structure quand même étatique qui a un petit peu renforcé cette ancienne qui soulageait nous, avec les camineurs par exemple. Je voulais parler de centre hospitalier Léazan Germain qui est dans Pétionville, qui quand même a fait un travail assez appréciable. Et le la paix, par exemple, nous conseillons de camineurs, c'est de mon cap à coucher. Et sans complication, nous on écrit les responsables, il y a toujours la propriété la main forte à l'hôpital La Paix lorsque BAC a commencé pour tomber. Merci un peu, docteur Paul Junior Fontilis. N'a pas rappelé une principale difficulté, non, c'est question carburant, c'est oxygène. Et puis, question sang qui est presque pas disponible pour capable aider quantité blessés ou bien malades à recevoir dans l'hôpital La Paix, qui lui-même c'est une parmi les plus grands l'hôpital qui gagne dans la région métropolitaine. Port-au-Prince, on a parlé de l'hôpital l'État, l'hôpital public, qui était à fonctionner et qui a recevoir malades. Merci un peu. C'est un plaisir, merci à vous, M. Gary. Voilà, 194 blessés à Kabal, arrivés dans l'hôpital La Paix, Delma 33, sorti 29 février pour arriver 9 avril. L'hôpital général nous connaît, qui lui-même pas fonctionné, qui fermait à cause de la zone de l'hôpital général. Là, c'est presque une zone bandit utilisée pour bataille avec la police nationale d'Haïti, dans le moment où il a tenté de prendre.